Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séance spéciale Noël. Alors, nous sommes en décembre, ça va bientôt sentir bon partout les Bredala. Donc, c'est ce que je vous propose pour aujourd'hui, une séance spéciale Bredala. Avec une seule pâte, je vous propose trois déclinaisons différentes. Allez, on y va. Pour la préparation de la pâte, il nous faut 2 œufs, 250 g de beurre, 140 g de sucre, 500 g de farine, un sachet de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de levure chimique qui est l'équivalent d'un sachet, un peu de lait, des emporte-pièces, un peu de confiture, alors moi j'ai choisi de la confiture de framboise, des amandes hachées grossièrement, un peu de sucre glace. Alors, pour la préparation de la pâte, je tamise ma farine à l'aide d'un tamis dans mon bol de robot ou dans un saladier. J'ajoute mon sachet de levure et je fais un puits. À l'intérieur du puits, je mets mon sucre semoule, mon sucre vanillé et mes œufs. Et je commence à mélanger tous ces ingrédients avec le robot. Je coupe mon beurre en petits morceaux et je l'ajoute à ma farine et ma levure. Et je continue à faire tourner mon robot jusqu'à ce que j'obtienne une pâte bien homogène. Je préchauffe mon four à 180 degrés. Et voilà, ma boule de pâte est prête. Je la partage en trois sur une assiette. Voilà. Et je la fais soit reposer quelques heures au frigo, mais si vous avez envie de gagner du temps, vous la mettez quelques minutes au congélateur. Alors, petit truc et astuce, moi j'utilise deux sachets de congélation ainsi que deux petits morceaux de bois d'une épaisseur de 3 mm. Donc j'ouvre bien mes sachets congélation. J'en dépose un sur mon plan de travail et je glisse en dessous mes deux baguettes en bois. Je fais bien attention que le sachet déborde du plan de travail pour que je puisse le tenir avec mon corps. J'ouvre le deuxième de la même façon. Et il faut bien faire attention que les deux lattes soient bien de la largeur de mon rouleau à pâtisserie pour que le rouleau puisse rouler sur les épaisseurs de bois. Je dispose un morceau de ma pâte à gâteau sur le plastique, je recouvre avec l'autre. J'abaisse ma pâte pour qu'elle ait la même épaisseur. Pour la fabrication des bretzels, il me faut un peu de lait, un peu de sucre. J'abaisse donc ma pâte et à l'aide de mon emporte-pièce en forme de bretzel, je découpe mes gâteaux. Je les décolle délicatement à l'aide d'un couteau en faisant bien attention de ne pas les casser. Et je les dispose sur ma plaque à pâtisserie. À l'aide d'un pinceau, je mets un peu de lait dessus et je vais saupoudrer avec du sucre. Donc moi là j'ai pris du sucre semoule, mais vous pouvez prendre du sucre cristallisé si vous avez envie, ça donne des grains un peu plus craquants. Et voilà, c'est parti pour 8 à 10 minutes de cuisson. Pour mes petits palets aux amandes, on recommence à mettre un morceau de pâte sur son plan de travail. On abaisse sa pâte à 3 mm et à l'aide d'un emporte-pièce, je coupe des petites galettes. Je les dispose sur une plaque à pâtisserie et à l'aide d'un pinceau, je vais mettre un peu de lait et quelques miettes d'amandes que j'enfonce légèrement dans la pâte. Ce qui évitera, quand les biscuits sont cuits, que les amandes tombent. Et c'est parti pour 8 à 10 minutes de cuisson. Alors les 8 à 10 minutes de cuisson, c'est en fonction de votre four.
pour les petits sablés à la confiture. Donc on fait la même chose, on abaisse sa pâte sur 3 mm. On découpe des galettes pour le fond que l'on dispose également sur une plaque à pâtisserie. Je mets sur mon emporte-pièce une découpe en forme de triangle pour former le dessus de mon biscuit, ce qui permet d'évider le milieu, comme vous pouvez le voir à l'image. Donc faites bien attention autant de dessus que de dessous. Et c'est parti pour 8 à 10 minutes de cuisson. Et voilà, une fois qu'ils sont cuits et refroidis, j'étale un peu de ma confiture de framboise sur le dessous. Et sur le dessus, je saupoudre de sucre glace. Ensuite, il suffit de coller le dessus sur le dessous en appuyant légèrement pour faire remonter un peu la confiture dans le trou, ce qui permettra aussi de coller les gâteaux. Et voilà! Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu, et puis à vos fourneaux, hein, allez-y. Et puis n'hésitez pas à poster tout ce que vous faites sur Facebook, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres idées recettes de Noël. À bientôt, au revoir.